En Afrique, les ressources halieutiques jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Entre 15 et 20 millions de personnes dépendent directement ou indirectement du secteur de la pêche pour assurer leur subsistance. La pêche fournit chaque année entre 700 000 et 800 000 tonnes de produits halieutiques dans tout l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Plus de 70% de cette production provient de la pêche artisanale, maritime et continentale. Les statistiques disponibles sur le secteur sont cependant insuffisantes. Cela a conduit la commission de l'UEMOA à mettre en œuvre un programme régional de renforcement de la collecte de données statistiques des pêches dans les 8 États membres et à créer une base de données régionale des pêches. Dans le cadre de la politique agricole, les pêches constituent un domaine très important, non négligeable. Mais pour faire une bonne pêche, il faut avoir des informations statistiques fiables. Parce que, comme vous le savez, aucune projection macroéconomique n'est possible sans les informations statistiques disponibles en permanence. C'est dans ce cadre-là que la commission de l'UEMOA a financé cette activité-là. Aujourd'hui, dans tous les États membres, nous avons des informations détaillées sur les potentialités halieutiques en matière de pêche. Vous pouvez aujourd'hui, à travers ces informations, avoir les espèces, que ce soit en eau douce comme en eau salée. Malgré ce rôle indéniable dans la sécurité alimentaire de nos pays respectifs, la gestion des ressources halieutiques est confrontée à de nombreux défis. La recrudescence des activités de surpêche, les prélèvements anarchiques de la pêche illégale, la faiblesse des systèmes de gestion des efforts de pêche, du contrôle et de la surveillance des opérations de pêche, la prolifération des organisations d'acteurs professionnels jouant le rôle d'interface entre le gouvernement et les communautés des pêcheurs. Face à ces défis, des zones de réserve marine protégées et des outils de gestion adaptés sous l'égide des communautés économiques devraient être mis en place. Le colloque régional sur la gestion durable de la pêche, de l'aquaculture et les systèmes d'information qui s'est tenu récemment dans la capitale togolaise, Lomé, avait pour but de renforcer les capacités des institutions et des acteurs de la région en vue d'une gestion améliorée et durable de la pêche artisanale et de l'aquaculture en Afrique de l'Ouest. Ces deux sous-secteurs représentent en effet des enjeux majeurs pour la région. Au terme de ce colloque, on doit retenir qu'il faut une synergie entre les différentes organisations qui travaillent dans le domaine de la pêche et il faut aussi une synergie dans les différentes méthodologies de collecte de données de pêche. Non seulement ça, il faut que toutes les organisations qui travaillent dans le domaine de la pêche, dans la sous-région, puissent vraiment s'unir pour déterminer une méthodologie à adopter pour la préservation de nos ressources. Et il faut aussi, il y a des recommandations aussi qui vont dans le sens de pouvoir exploiter nos ressources de façon responsable afin de pérenniser le stock. Les problèmes, si vous voulez, qu'on rencontre au Niger, c'est essentiellement la dégradation du milieu. Comme vous le savez, le Niger est un pays sahélien. Et donc, les problèmes de sécheresse qui sont actuellement résumés sous le thème générique des changements climatiques ont des influences sur la situation de la pêche, notamment les captures, la diminution des volumes en eau, la dégradation du milieu qui se répercute sur les pêcheries par l'ensablement et la détérioration des milieux aquatiques et conséquemment une baisse de la productivité. Le programme de renforcement de la collecte des données statistiques des pêches de l'UEMOA, lancé en 2011, a permis la réalisation d'un système d'information régionale des pêches et une méthodologie harmonisée de collecte et de traitement de données statistiques sur les pêches. Grâce aux résultats des enquêtes cadres menées dans les pays membres, un inventaire harmonisé du stock halieutique dans la sous-région a été réalisé. Ces statistiques sont fondamentales pour pouvoir informer les décideurs concernant
l'aménagement des pêches. On a notamment des données sur les revenus des pêcheurs, sur l'évolution des captures par unité d'effort qui indiquent si les ressources sont en voie d'épuisement ou non. On a des informations sur les migrations, on a des informations sur les activités pratiquées en parallèle, sur les activités des femmes. Donc énormément d'informations qui aident à définir une politique de développement de la pêche. En termes de production, on peut dire environ 750 000 tonnes pour les deux pêches, 800 000 tonnes pour les pêches artisanales maritimes plus continentales. On peut dire également environ 2 millions de personnes qui vivent dans les foyers vivant de la pêche continentale. L'expérience que nous a donné ce programme donc d'harmonisation des statistiques, c'est qu'avant, on travaillait au niveau régional et chaque région, chaque inspecteur régional avait sa méthodologie de collecte. Et maintenant, on est arrivé à avoir un système, donc une seule méthodologie de collecte qu'on applique dans toutes les régions. Du coup, donc, il y a une possibilité de comparaison et là, il y va aussi de la fiabilité donc, des données que l'on collecte. Les défis, c'était la recherche, donc la mise à disposition des résultats de la recherche et l'utilisation de ces données pour une bonne prise de décision au niveau des États. Le secteur de la pêche est en effet confronté à diverses problématiques, dont la pêche illégale et la surexploitation des ressources halieutiques. Cette situation se traduit par une stagnation, voire une baisse de la production, ayant comme conséquence un sous-approvisionnement en produits de qualité et des menaces sur la sécurité alimentaire des populations. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'égide de la FAO, toute la communauté internationale a développé un accord juridiquement contraignant qu'on appelle l'accord des mesures du ressort de l'état du port pour lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Cet accord a été adopté en 2009. Il est entré en vigueur le mois de juin dernier parce qu'il a reçu autant de ratifications et d'adhésions qu'il fallait. Ce que nous pensons que c'est un des instruments, ça pourrait même être peut-être l'arme fatale pour lutter contre la pêche illicite non déclarée ou non réglementée. Mais encore faudrait-il que les États y adhèrent et mettent en œuvre toutes les dispositions qui sont contenues dans cet accord-là. Cette gestion de la ressource ne peut pas se faire seulement avec les décideurs politiques. Il faut qu'il y ait une implication de l'ensemble des acteurs de la pêche, surtout artisanale. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que dans nos pays, la pêche artisanale joue un rôle éminemment important, qui est fondamental. Parce qu'en termes de sécurité alimentaire, de création d'emplois et de rente économique, et surtout un facteur qui est plus important, la pêche artisanale est un facteur d'instabilité sociale. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas pêcheurs viennent s'investir dans le secteur, que ce soit les agriculteurs qui ont des difficultés aujourd'hui avec la terre, avec ces problèmes de changement climatique et la pluie, tout ça, ils viennent travailler avec nous. Et donc, de ce fait, il faudrait accorder beaucoup plus d'importance à la pêche artisanale. Parce que 80% de nos débarquements dans nos pays, c'est la pêche artisanale, c'est pas la pêche industrielle. Le développement de l'aquaculture en Afrique de l'Ouest constitue, aux yeux des experts, une solution à moyen et long terme pour la restauration du patrimoine halieutique à l'échelle des pays. Malgré un énorme potentiel et des progrès significatifs notés dans le domaine de la recherche, l'aquaculture dans les pays de l'UEMOA souffre encore du faible rendement et d'un manque de financement pour le secteur privé. Le projet d'aquaculture, justement, nous le menons avec l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Étant donné que les ressources, la pêche de capture devient rare, nous avons dit qu'il faudrait développer la pisciculture. Pour développer la pisciculture, il faut améliorer justement les alevins, les souches des alevins que utilisent aujourd'hui nos pisciculteurs. Et là, nous avons du moins fait appel au service de l'Université Polytechnique de Bobo
pour améliorer, faire des études et améliorer ces alevins, souches d'alevins améliorées qui seront distribuées à nos pisciculteurs pour améliorer la production donc, de tilapia, espèce de tilapia et de poisson-chat. Jusque-là, on a toujours pensé que l'aquaculture, c'était quelque chose de subsistance. On produit pour juste, soit pour montrer qu'on est quelqu'un qui peut produire, soit on dit que c'est juste pour la consommation. Donc les outils qui étaient utilisés, les techniques qui étaient, les méthodologies qui étaient utilisées étaient relativement faibles. On ne voyait pas en fait le poisson comme une activité qui pouvait générer donc des revenus. Alors que déjà depuis 475 ans avant Jésus-Christ, un empereur chinois avait dit qu'il y a deux moyens de se faire de l'argent, en l'occurrence l'argent aquatique. Et donc, eux, ils avaient compris ça. Mais jusqu'à présent, dans nos comptes, les gens n'ont pas compris. C'est maintenant que de plus en plus d'acteurs commencent, bien sûr, à investir bien sûr, dans ce secteur. Et je peux vous donner des exemples où, par exemple, au Bénin, certains ont investi 3 milliards, 1 milliard pour faire de l'aquaculture. Et aujourd'hui, ça commence à donner des résultats. C'est pour dire qu'on peut en faire une affaire, un business, et c'est ça justement que jusqu'à présent ce n'était pas le cas, et c'est ça qui explique aussi la faiblesse donc de cette aquaculture. L'importance du secteur de la pêche dans le développement socio-économique de la région ouest-africaine justifie l'intérêt de la commission de l'UEMOA pour une gestion durable des pêches. La poursuite de la collecte de données statistiques régionales conjuguée à une mutualisation des actions à l'échelle nationale et régionale demeure une priorité pour les parties prenantes. Le renforcement des capacités techniques et managériales des administrations et des organisations professionnelles du secteur constitue également un enjeu stratégique dans l'optique d'un développement durable de l'aquaculture et de la pêche en Afrique de l'Ouest. Thank you.